Salut l'équipe, j'espère que vous êtes à grande forme internationale comme d'habitude. Bon, merci pour vos retours positifs sur la dernière vidéo au sujet du tracteur là. Et bon, là je tiens plus en place hein. Je n'ai pas fini à 100%, mais en même temps il sera jamais fini à 100% parce que je vais l'améliorer tout le temps, tu vois. Mais là la peinture elle est finie, je viens de le pousser dehors, je suis essoufflé. Et franchement, le problème c'est que je tiens plus en place, tu vois. Je bosse dessus, je l'améliore, je fais des finitions, machin. Et ne pas pouvoir le partager avec vous, tu vois, balancer des images sur Instagram et tout, c'est insupportable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec quelques images que j'ai tournées pendant que j'étais en train de le repeindre. Et ensuite, on va se retrouver dehors et je vais vous le présenter comme il est. Et voilà, je peux plus, voilà. Donc régalez-vous et on se retrouve tout à l'heure. Bon, super sympa, j'étais en train de vous parler, la GoPro elle a bugué, comme d'hab.
Alors, je suis rentré donc dedans parce que dehors il commençait à faire nuit, il y a un petit peu de vent, donc la GoPro c'est hyper sensible au vent. Et la troisième chose, je sais plus, mais on est rentré dedans dans mon garage. Il y a encore un bordel pas possible parce que ça fait plusieurs jours que je bosse dessus du coup. Voilà. Finalement, il est devenu vert militaire olive. Voilà. Et c'est de la vraie peinture militaire que j'ai dû acheter, que j'ai commandé sur internet en pot. J'aurais préféré à la bombe parce que niveau finition, c'était pas super important que ça soit hyper lisse, beau et tout. Bon, finalement, c'est bien, tu vois. Mais à la bombe, moi, j'aurais pu faire des petites retouches. Et là, bon, j'ai un pot de peinture, donc du coup, les retouches, ça sera peut-être au pinceau. Parce que sortir le pistolet à chaque fois, ou sinon, je trouverai une bombe de verre olive, voilà. J'étais parti pour le peindre, couleur désert, sable, c'est-à-dire militaire, sable, voilà. Et finalement, au dernier moment, j'ai changé et je suis parti sur ce vert olive militaire. Parce que je me suis dit, vert, noir, ça va super bien le faire. Voilà, je tenais plus. Je pouvais plus garder ça secret pour moi. Parce que je bosse sans m'en sortir de vidéo. Et en même temps, garder le truc secret et tout, c'était vraiment pas possible. Ce n'était plus possible pour moi. Parce que je trouve le résultat tellement incroyable que je voulais le partager avec vous. Bien sûr, il n'est pas fini. Maintenant, je voudrais des décos. Tu vois, des décorations un petit peu. Genre une étoile militaire, tu vois, des trucs. Ça, il faut que je le réfléchisse encore. Voilà, bref, on va faire un petit peu le tour, comme ça je t'explique un petit peu. Alors, déjà, bon, il est vert militaire. Par contre, ici, tu peux voir, on avait eu des foirages parce que quand j'étais en train de le peindre en dehors, il y a une goutte de ma gouttière qui est tombée en plein ici, qui a fait un flap. Bon, ça a fait quelques gouttelettes, tu vois, qui sont emprisonnées, machin. Bon, c'est pas très grave, hein. Franchement, le résultat, mon pauvre, il est 15 fois mieux que ce que j'avais espéré. Moi, je voulais limite le peindre au rouleau. Et là, vu qu'on l'a peint au pistolet, en plus avec une maîtrise absolument nulle, franchement, il est sorti, mais laisse tomber, quoi. Par contre, il y a des endroits, tu vois, comme ici, j'ai été un peu radin sur la quantité de peinture ici aussi. Bon, c'est pas très grave, hein. Il n'y a pas mort d'homme. Alors, tu peux voir ici. Ce qui m'a fait rire, c'est que quand j'ai sorti la vidéo où je le peignais en mode on faisait la préparation, il y en a un qui m'a dit dans les commentaires, si essaye de faire des marchepieds en alu strié. Bon, il n'avait pas dit ça, mais j'avais compris que c'était ça. Ce qui était marrant, c'est qu'au moment où il a dit ça, j'avais déjà fait le premier marchepied, tu vois. Je l'avais déjà fait avec des chutes que j'avais. Le mec, il me sort ça et je me dis, putain. Tu vois, c'est pour ça que c'était compliqué de garder secret, parce qu'on me donnait des idées que finalement j'avais quasiment déjà attaqué, tu vois. Ensuite, ici, j'ai mis du grip de skateboard, tu vois, sur les pédales ici, de manière. Là, j'ai fait fixer un gros morceau de plastique ici, là, bien épais, parce que c'est là où vient cogner mon kick, parce que j'ai toujours pas trouvé de solution pour le démarrage, parce qu'il me manque l'engrenage. Et j'ai remarqué que pendant notre vidéo, il nous manquait le plus important. La finition du siècle, voilà, le porte-gobelet. Mais le problème, c'est qu'à la base, c'est un tracteur qui est censé être utilisé, tu vois, vraiment pour foncer, faire le gogol et tout. Et maintenant, il est tellement propre que j'ai pas envie de l'abîmer. Mais bon, c'est pas grave, c'est. Enfin, j'essaie de me rassurer en me disant, c'est pas grave, c'est que de la peinture, tu vois, il m'en reste, tu vois, je peux toujours repasser un petit coup, tu vois, même. Ah! Faut que j'arrête de dire tu vois tout le temps, mais c'est pas facile. Donc j'ai fait les marchepieds là ici. Celui-là, là, j'aurais pu le continuer là, c'est vrai. Mais j'ai fait avec la chute que j'avais, mais c'est vrai que j'aurais pu le faire continuer plus loin. Mais en fait, j'ai fait identique à l'autre côté. Bon, c'est pas très grave, je pense. Hein. Bon, ça aurait été plus joli. Mais bon. C'est tout. Voilà. Après, je n'ai fait que le remonter. J'ai remis quand même ici les deux optiques. Ça aurait été marrant d'avoir des trucs de phare derrière. Donc, ce que je voudrais, je vais essayer de faire rapide quand même. Ce que je voudrais encore faire, bon, là on est un peu dans le noir, c'est que je voudrais lui fabriquer un pare-buff devant. Parce que j'ai vraiment peur que quand je vais vraiment aller rouler avec et le kiffer, si je prends un peu trop la confiance, tu vois,
on fonce dans un arbre ou quelque chose, et là, dans ce cas, la face avant, elle est complètement exposée et je vais l'éclater littéralement. Donc franchement, j'aurais bien aimé fabriquer une grosse barre ici, là, devant, pour pas que le côté esthétique, mais aussi si je viens foncer dans un truc. Ici, mettre une grille quand même, je pense, mettre un grillage ici, sur notre scoop fait maison. Ensuite, j'ai le kick à modifier et aussi le levier de vitesse ici, parce que ça me stresse, tu vois. Avant, il frottait à la carrosserie, mais c'était pas grave, parce que ben, c'était juste un vieux truc rouge qui était à moitié rouillé, donc c'était pas très grave. Mais maintenant, ça me dérange, tu vois, que ça vient rayer ma jolie carrosserie. Donc, pare-buffle, ça c'est super important, modifier un petit peu les leviers, les machines. J'ai aussi rajouté, comme un gitan, fait mon manouche encore, j'ai rajouté un deuxième amortisseur à côté de l'amortisseur que j'avais déjà. Et du coup, maintenant, il est vachement rigide. Tu vois? Et je pense que ça va aller mieux. Il sera moins kangourou. Ensuite, ben, j'ai peint tout le châssis en noir et tout, ça, on l'avait déjà vu. Ici encore, il faudrait que j'achète donc le même que ça, mais avec le bocal séparé. Comme ça, déjà, je gagne en place parce qu'ici, ça gêne mon genou. Pour gagner, voilà, en place. Et ensuite, au niveau de la purge, c'est vraiment pas terrible de l'avoir dans cette position-là parce que je suis obligé d'avoir le bocal complètement rempli parce que sinon, il peut aspirer de l'air. Voilà. Donc ça, il faudra que je fasse une petite commande et Wish machine. Après, ce qui est dommage, mais je pense que je vais le garder parce que c'est un peu la signature, c'est le volant. À la base, je trouvais ça super rigolo quand il était rouge, tu vois, le volant comme ça, vintage, plein de couleurs et tout. Mais c'est vrai que là, maintenant qu'il est couleur militaire, c'est pas très, très accordé au reste. Voilà. Donc, tout ça pour dire que je ne pouvais plus garder ça secret parce que les dernières petits ajustements que je dois faire, ça va prendre beaucoup de temps. Alors ça aurait repoussé la vidéo à plusieurs jours et c'était, je pouvais plus, je tenais plus en place. Je voulais vous le montrer parce que je suis content du résultat. Et voilà. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? À part que j'espère vraiment que vous allez me donner de la force dans cette vidéo, tu vois. Pouce bleu, commentaire. Si t'es pas abonné, abonne-toi parce que du coup, maintenant, on va aller rouler avec. Quand j'aurai fait les 2-3 petits ajustements, mais ça, je le ferai hors vidéo. Et voilà. Soutiens-moi, s'il te plaît. Fais-moi plaisir. Et sur ce, ben, voilà la bête. Je suis vraiment content. Je peux pas te dire. Voilà. J'aime l'esthétique qu'il a. Ah oui, aussi, j'ai commandé un joint ici qui va par-dessus le capot. Un joint en fait de tôle en fait qui va venir qui va faire tout le tour pour éviter les vibrations et aussi pour essayer de pas trop abîmer. Mais bon, ça va. Je pense que les frottements ça va s'abîmer quand même. J'ai commandé un joint en caoutchouc qui va faire tout le tour, qui normalement arrive demain. Allez, merci à tous d'avoir regardé. Et désolé de ne pas avoir fait du roulage, des plans drones et tout, mais je tenais plus. C'est le mot de la peine. Allez, salut, ciao!